Quelques explications maintenant. On pose la pointe de pied devant la balle, on pose le talon sur la balle et l'objectif c'est de garder les appuis légers. La balle peut être remplacée par n'importe quel objet qui ne sera pas trop fragile pendant ce confinement. Sur cet atelier, on vient placer un seul pied à l'extérieur, le pied gauche à gauche, le pied droit à droite, et au milieu on place les deux pieds. L'objectif ça va être de passer très vite au milieu sur les deux appuis, et on va monter la jambe opposée contre son coude. Donc là on voit quand on part sur le côté droit, le genou gauche vient monter contre le coude droit. De l'autre côté, c'est l'inverse. Sur cet atelier, on cherche à poser nos pieds devant la ligne, puis derrière la ligne, tout en gardant un bon écart entre les jambes. Donc, une fois qu'on a compris le fonctionnement, le but c'est d'aller le plus vite possible sans jamais poser les talons au sol. Donc sur les deux qui viennent, c'est vraiment tout simple, ce sont des slaloms où on reste orienté face à la table. Et donc notre déplacement va dessiner un 8. On le voit là avec un 8 penché sur le côté. Et donc le suivant sera un 8 à la verticale. Tout ça pour travailler sur les changements de direction et être plus mobile, plus agile à la table. Dans cette période de confinement où on est chez soi, on peut bien sûr remplacer les plots par n'importe quel objet qui pourrait délimiter une zone. Le mieux c'est de prendre quelque chose de pas fragile de manière à pas le casser. Ça peut être des boîtes à chaussures, des chaussures en elles-mêmes, etc. Là-dessus, il n'y a pas de limite. Le but c'est vraiment de définir les zones. Avec cet atelier, on va aller chercher le coin droite de la table avec la main gauche, le coin gauche avec la main droite. Et l'objectif c'est vraiment d'accompagner avec tout le corps, de rester bas et de travailler sur la rotation du bassin et des talons. Cet atelier, c'est plutôt judicieux de le faire avec les deux jambes. Le but étant en fait de travailler la mobilité de chaque jambe séparément sur le fait d'avancer ou de reculer. Et tout ça pour éviter d'avoir une jambe morte entre guillemets à la table qui serait incapable de bouger correctement. Enfin, on termine par un petit peu de jeu à blanc. Donc le jeu à blanc, c'est imaginer qu'on fait son coup mais sans la balle. Là, ça permet vraiment de décomposer les phases où je me déplace, je m'arrête, je joue et je viens me replacer. Donc ça permet de faire les choses lentement à son rythme, et une fois qu'on a bien compris le mouvement qu'on voulait réaliser et qu'on avait enlevé les gestes parasites, on peut le répéter de plus en plus vite pour améliorer les enchaînements. On voit que c'est super important sur les balles courtes d'avancer la jambe. Étant gaucher, c'est la jambe gauche qui s'avance, et donc sur les balles longues, de revenir plutôt parallèle à la table. Le circuit c'est court coup droit, long revers, court revers, long coup droit. Sur le long coup droit, on peut même essayer de faire un geste de topspin ou de smash pour simuler une vraie attaque. Pour conserver un peu de vitesse, je vous conseille d'alterner 10 secondes d'exercice et 10 secondes de repos et de faire 3 fois chaque atelier. Ça permettra de garder un peu plus de vitesse et de ressembler plus au ping. Le total ça fera 5 minutes d'effort étalé sur 10 minutes. We'll be right back.